c'est Lionel, directeur du camping du domaine de la Roselière à Noyelles-sur-Mer, en Baie-de-Somme, à quelques kilomètres d'Abbeville et de Saint-Valery ou le Crotoy. Je vais vous faire visiter le camping et je vous propose de me suivre. Je pense qu'on fait du bon boulot avec mes équipes, on se donne à fond dans ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on fait ça par passion et on a vraiment l'objectif de la satisfaction de la clientèle. Deuxième saison ici, ça fait 10 ans que le projet du domaine de la Roselière est démarré, 5 ans qu'il est ouvert au public et on a décidé d'organiser une belle journée pour nos clients. C'est très familial, c'est très, maintenant on fait partie du terrain de camping, on est bénévole, donc aujourd'hui la grosse journée on donne un coup de main à Lionel et son équipe, donc c'est ça qui nous plaît vraiment aussi, c'est vraiment l'aspect familial. Alors on s'est fait des amis. J'y suis arrivée hier, mais déjà c'est top, il y a plein d'animations, déjà c'est familial, il y a beaucoup de... on s'entend bien avec les gens et tout ça, donc c'est top, et puis oui c'est très accueillant, très chaleureux. En location, beaucoup de clientèle parisienne, des Belges aussi qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui. Après, c'est beaucoup du nord près de Calais. Le domaine de la Roselière, c'est 148 emplacements. Actuellement, 110 sont occupés en gamme résidentielle ou locative. Le domaine de la Roselière dispose d'un restaurant, d'un bar, d'une crêperie, d'une supérette de produits de dépannage, produits de première nécessité. Et vous avez également, ce qui fait notre point fort, la piscine couverte et chauffée, intérieur et extérieur, pour passer de bons moments chez nous au domaine de la Roselière. Et vous avez également juste derrière moi, deux étangs de pêche. Alors pour passer de bons moments au domaine de la Roselière, il ne reste plus qu'à nous contacter, soit par téléphone ou par mail. Nous ferons un plaisir de vous répondre.